Jean-Michel Apathy, vous recevez ce matin l'ancienne ministre de la Famille, Nadine Morano. Bonjour, Nadine Morano. Bonjour. Le gouvernement a-t-il eu raison d'ajourner son projet de loi famille après la manifestation de dimanche Je pense tout simplement qu'il n'avait pas le choix. Il a eu raison alors Il a eu raison parce qu'il n'avait pas le choix. Enfin, François Hollande. A... Il n'avait pas le choix. Ils auraient pu tout à fait continuer. Oui, Hollande... C'est rare que la rue dicte son ordre du jour au Parlement. Enfin, je crois que François Hollande est en train de se rendre compte que la France est aujourd'hui excédée exaspéré, angoissé, et il a réussi ce tour de force à diviser sa majorité, ce qui est quand même incroyable, c'est-à-dire que la France est en train de s'enfoncer vers le déclin économique. Nous avons perdu pratiquement deux ans. D'action au service de notre pays, de réforme. Et euh, voilà euh, pratiquement les 18 mois que nous ne parlons que de sujets de, de société, euh, mis à part le pacte de responsabilité qui est pour l'instant un grand fourre-tout et surtout du grand n'importe quoi. Donc la loi euh, famille, la loi Bertinotti, est oui. aujourd'hui subie le même sort que la loi Taubira. Tout cela. La loi Taubira, a... à laquelle sur la réforme pénale. Mais on discuté au Parlement euh, après les élections 14 avril. Après les élections bah, elle pas retirée celle-là. Non mais la loi Bertinotti, <laughs> qui est euh, euh, soi-disant retirée euh, euh, temporairement, euh, pas définitivement. Euh, tout cela, on nous dit, mais euh, on retire la loi Bertinotti. On verra tout cela après les élections municipales. Qu'est-ce qu'on va voir après les élections municipales Ça va continuer. Euh... Et je dis à ceux qui nous écoutent, surtout, euh, dès que vous, aurez, vous en aurez l'occasion, c'est-à-dire les élections municipales, euh, manifestez votre mécontentement et, et votez pour les candidats Alors, de la droite et du centre, donc les candidats UMP. Ça c'est dit, hein, c'est dit. dit une fois, il ne faudra peut-être pas le répéter pendant si, un Oui, mais, mais dit, je voilà. ne cesserai pas de le répéter. Non, je pense que c'est essentiel, <laughs> à la fois pour les communes dit, 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 <laughs> et pour le pays. D accord, d accord. Puisque vous avez occupé des fonctions ministérielles identiques à celles de Dominique, Bertinotti, oui. vous croyez qu'elle devrait dire Bon, ben voilà, je, je m'en vais, je quitte le gouvernement Elle aurait dû continuer ce qui me semble essentiel dans les, la préoccupation des familles, c'est-à-dire le développement des modes de garde pour non, les jeunes. Non, mais c'est pas enfants. ma question. Non. <laughs> oui, non, elle aurait dû en tirer des conséquences politiques, de Dominique Bertinotti, là, hier soir, c'est ça ma question. Bah écoutez, euh, elle aurait pu en tirer les conséquences politiques de, de ce retrait, mais tout comme M. Bah. Sapin, avec les résultats désastreux qu'il a sur, sur le champ de l'emploi. La manif pareil. pour tous, c'est la France parce que vous avez dit la France est exaspérée, donc euh, est, la manif pour tous c'est la France, pour vous, euh, la, mais... Quand je dis que la France est exaspérée, évidemment, il y a ceux qui descendent dans la rue euh, pour ces questions qui leur tiennent à cœur. Quel regard euh, vous avez sur la manif pour tous Ah, Sur la manif pour tous, euh, euh, j'y vois euh, des familles, euh, euh, des couples qui descendent avec leurs enfants, euh, qui, euh, qui croient en des valeurs, qui euh, sentent ces valeurs bafouées. Euh, je partage certaines de ces valeurs, euh, d'autres non, mais je crois que euh, ce qui est important, c'est ce que pensent les Français, c'est-à-dire leur priorité, vous savez, au quotidien, leur priorité essentiel, c'est l'emploi. Euh, c'est comment ils vont finir leur fin de mois. Et, et certains ménages sont euh, sur leur panier alimentaire à 5 euros près quand ils vont faire leurs courses. Et on nous parle de PMA et de GPA. Monsieur Apathy, mais ce n'est pas sérieux. La Manif pour tous, par exemple, demande à ce que la France se dote de, de loi ou réfléchisse à se doter d'une loi identique à celle que l'Espagne envisage d'adopter à propos de l'IVG. Donc euh, la Manif pour non. tous fera sans doute pression sur l'UMP pour prendre de tels non, engagements. Non, mais sur, sur ce sujet, euh, encore une fois, c'était vraiment pas. Quand vous êtes au contact des Français, je veux dire, ils vous parlent emploi, emploi, emploi. Oui, Donc moi, ce que je vous dis, c'est qu'ils parlent Mais l'IVG. D'ailleurs, l'amendement qui a été... Vous d'autre chose Non, mais l'amendement qui a été... Il, il parlait dans cette manif pour tous de préserver la famille. Vous savez, la famille est mise à mal avec ce gouvernement depuis le départ, avec l'abaissement du plafond du quotient familial. On, on, on ne sait même pas encore comment va être financée la politique familiale. J'étais très étonné qu'aucun journaliste ne pose clairement la question au président de la République au cours de sa conférence de presse, lorsqu'il a annoncé tout de go qu'il allait supprimer les cotisations famille, 35 milliards d'euros, euh, comme ça. Alors on ne sait pas comment il finance, et, et personne ne lui dit, mais attendez, comment vous allez continuer la politique familiale Disons que la question a été posée, mais que la réponse n'est pas encore venue. Mais on, non, j'ai regardé en direct, je n'ai pas vu la question posée très clairement. Mais je l'ai vu de la, la que part que du président de la Caisse nationale d'allocation familiale, M. de Roussin, qui s'en est inquiété. Est-ce que l'UMP, à son tour, ne risque pas de vivre sous la pression de mouvements de rue, comme par exemple la manif pour tous Non, mais l'UMP, vous savez, est engagée. Dans des propositions de réforme économique, qui est aujourd'hui ce qu'attendent les Français Comment est-ce que euh, on baisse les charges Comment est-ce que on baisse le coût du travail Comment on relance la croissance Comment on relance la compétitivité C'est les sujets prioritaires des Français. C'est aussi les sujets prioritaires de l'UMP. Et ma question, c'était... J'ai l'impression que vous n'écoutez pas ma question ce matin. Est-ce si, vous, écoute, est que mais vous mais ne est ma risquez ma pas, réponse, vous aussi, de vivre sous la pression de mouvements mais qui, je vous explique que dans non, la rue, ont remporté mais, mais, cette mais nous, victoire nous, nous, nous ne vivons pas sous la pression de, 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 des, des personnes qui sont dans la manif pour tous, qui euh, expriment euh, leur désaccord avec la politique qui est menée par François Hollande mais qui, un, dans un autre côté, demande aussi à ce que les réformes essentielles pour notre pays soient engagées. Il n'y a aucune réforme structurelle engagée dans notre pays. Nous sommes... Aujourd'hui, le bonnet d'âne quasi de l'Europe. Quand vous voyez même les investissements directs étrangers qui sont en recul de 77%. Mais vous vous rendez compte, monsieur Apathy, j'aurais préféré qu'on me parle du sauvetage de la société Maury Ducrot et des 2210 salariés qui espèrent encore aujourd'hui un sauvetage. C'est de ces sujets-là dont ils ont envie qu'on leur parle. Mais pas de la PMA, pas de la GPA, pas de la réforme de l'IVG. Ils sont à côté de la plaque. Les manifestants de dimanche demander la suppression oui. de l'ABCD, de l'égalité à l'école et qui est expérimentée dans, dans plusieurs académies. Est-ce que oui. c'est une demande qui vous paraît juste Mais à travers cette demande, vous voyez, euh, c'est d'abord l'expression d'une angoisse de tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on vous dit attention, on est en train, est en train de prôner à l'école euh, la, la théorie du genre. Euh, C'est l'angoisse chez les familles. C'est l'angoisse chez, chez ceux qui cherchent un emploi. En fait, quand je vous disais que, vous savez, François Hollande, à grand renfort de moi président, nous disait qu'il allait aller vers une France apaisée. Jamais la France n'aurait été à ce point euh, voilà, divisée, torturée, angoissée, angoissée. Euh, et. et... Tout cela alors euh, dans, dans, dans les programmes. D'ailleurs, vous voyez que Monsieur Payon n'a pas créé si on... bonne presse. Non, ça serait euh, bien si on supprimait la BCD euh, de l'égalité. Enfin, Je... Parler de l'égalité me semble important. Parler de l'égalité entre les, les hommes et les femmes. Lorsque j'étais ministre en charge de la famille, c'était un donc dossier un sur lequel on forcément. travaillait. Euh, si vous le détournez sur la théorie du genre, ça existe un la théorie du genre. Ça existe ah bah après Oui, la théorie ah oui. du genre. Vous avez des références Ah, la euh, théorie oui. du genre. La théorie du genre existe Ah, ben bah oui. La vous l'avez rencontrée pro... Pardon Vous savez que ça existe. Et... Parce que ça a l'air un peu évanescent des... comme concept. Non, non, mais... c'est pas évanescent. J'ai lu, lu des papiers sur ce sujet, assez terrifiant d'ailleurs, sur euh, notamment euh, euh, des jumeaux masculins, dont un avait eu euh, des problèmes. Ah. P oui, très petit, vrai. oui vous aviez vu ce, ce oui, sujet ça, oui. et, et à qui en fait on a essayé d'expliquer qu'il pouvait être une fille s'il décidait d'être une fille. C'est surtout ça la théorie du genre. Bah, c'est de la théorie ou de la folie individuelle, ça, mais enfin, C'est la théorie du genre poussée à l'extrême, ah, c'est de la folie. Dites, hein. Et donc je comprends que ça puisse inquiéter les familles. Ce soir vous êtes à Nancy, vous assistez à un concert, c'est ça Oui. Concert de... De Carla Bruni. Et qui sera dans la salle Qui sera dans la salle Beaucoup, beaucoup euh, de, de ceux qui apprécient sa musique. Euh, ah. et... Voilà. Et il y aura Nicolas Sarkozy. Pas sûr. Si, pareil, hein. ah, mais... hein, Pas sûr, vous savez, il ne va pas à tous. Mais s'il ne vient pas, on sera beaucoup à le regretter, en tout cas. Allez, Nadine Morano était l'invité à ce matin. Merci, merci. beaucoup, Nadine.